On s'appelle Anti-Legacy, on est un groupe de blues rock, ça fait à peu près 6 mois qu'on joue ensemble. Et notre petite particularité, c'est de jouer un peu dans le style des années 70-80, donc l'avènement de Deep Purple, Led Zeppelin et compagnie. Donc on voudrait faire revivre ça. On a une page Facebook. Donc vous pouvez aimer, il y a des vidéos de notre premier concert qui sont en ligne. Il y a aussi une vidéo sur comment se passe une répète de notre groupe. Et sinon, on va créer une chaîne YouTube prochainement. Alors, généralement, notre chanteur, il aime bien parler des histoires complexes. C'est-à-dire, tout au long de la chanson, il y a une histoire. Et généralement, il y a des révélations cachées. Ça peut être un homme déprimé, mais on ne le sait pas au début. Des histoires d'amour. Et comme notre groupe, c'est Anti-Legacy, il y a beaucoup de références au monde de la fourmilière, des fourmis. Et on représente l'espèce humaine dans cette fourmilière. Voilà. Le rêve de gosse, c'est de faire un concert, déjà. Ça a été déjà fait. Et en tant qu'artiste, je pense un peu pareil que tout le monde, se faire écouter, jouer le plus possible, faire des festivals, des concerts, voilà, faire partager notre passion. Être écouté, faire revivre le rock qu'on aime. Notre rêve de fourmi, c'est d'être une fourmi particulière et de ne pas rester justement dans la fourmilière.